Salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Surprise an Architect, oh yeah! Et ça me fait super plaisir de tourner, je reviens de cours, là je suis pépère, j'avais envie de tourner, putain j'ai sort de 2 heures d'écho là, j'en pouvais plus, sociologie, Karl Marx, voilà quoi, hein. Bon bref, voilà j'avais envie de tourner, putain ça me démangeait là. Et j'ai réussi à régler ce problème de son. Enfin, alors vous me dites, ouais, problème de son, c'est quoi ce bordel? Mais dans l'épisode que je n'ai pas encore sorti d'ailleurs, c'est assez marrant d'ailleurs. Enfin, quand j'y pense, je devrais me mettre à votre place. Hein. C'est assez bizarre à dire, mais dans l'épisode que j'ai tourné, qui est prêt, que je vais mettre demain sur YouTube, que je vais upload demain, donc vous ne voyez pas, enfin, que vous avez vu normalement en voyant celui-là, il n'y a pas le son du jeu, hein, je parle bien sûr. Il n'y a pas le son du jeu, ce qui fait que c'est pas vide, mais bon voilà, ça manque d'ambiance quoi. Donc là, je viens d'avoir le problème en faisant les tests hein, pour filmer. Et il se trouve que Action était mal réglée, bref, c'était une petite connerie. Il prenait pas la bonne sortie son en fait, il prenait autre chose que mes haut-parleurs, bref, c'était un peu bizarre. Bon, j'ai réussi à régler le problème, donc là vous avez le son, et j'ai aussi trouvé le problème du bridage en 30 fps, en fait, je sais pas, c'était une connerie, j'ai juste mis en multi-sample, puis remis en super-sample, et voilà, ça débloque la 60 fps, donc là vous êtes en 60 fps, top de la qualité, sans aucun lag, regardez ça, c'est magnifique, aucun lag, même avec Action, qui tire bien sur le processeur, et quand on sait que... Prison Architect, il tire bien sur le processeur, ben voilà quoi, hein. Tout de suite, c'est déjà bien. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire maintenant, c'est un petit peu con ce que je viens de dire, mais j'ai sorti donc le premier épisode du Let's Play sur Seigneur des Anneaux. Alors, d'après ce que je vois, ça a l'air plutôt de vous plaire. Ça me fait très plaisir, hein, parce que moi, voilà, j'attendais de faire un peu nouveau sur la chaîne, là je vous réserve d'autres trucs, notamment Black and White, quand j'aurai réussi à installer ces putains de mods, parce que là j'ai quelques problèmes, c'est bizarre, en fait mon ordi, enfin, pour quelques mods, il considère que mon jeu n'est pas installé, alors qu'il l'est, bref, c'est bon, des conneries comme ça, ce qui fait que je vais désinstaller Black and White, je vais le réinstaller pour que là ce soit bien nickel, puisqu'en fait ça a dû garder... des erreurs du temps où mon premier SSD avait flanché là, ça avait dû bousiller les scripts ou une connerie comme ça, bref, je vais le réinstaller, je vais faire ça soit demain, soit ce soir si j'ai la foi, parce que je vais peut-être avoir un peu de boulot quand même, je vais faire ça ce soir, je vais installer donc le mode des japonais, le tigre, et puis peut-être un autre mode, vous allez voir, si j'arrive à l'installer ça risque d'être excellent, mais je vous en reparlerai, donc du Black and White très 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 bientôt. Donc du Seigneur des Anneaux bien entendu et le Cities XL qui est censé sortir maintenant juste après la vidéo. Faut juste que je fasse description, miniature et tout le bordel, les tags là. Mais à l'heure où je vous parle, dans 20 minutes il est sorti quoi. Donc Cities XL reprend, Black and White, Seigneur des Anneaux, plus peut-être OpenTDT un de ces 4 si jamais vous voulez quoi. Si jamais j'ai envie de jouer aussi. Mais oui, à mon avis, je pense pas que ce soit un réel problème. Donc, alors, on en était où? Parce que depuis tout à l'heure, je parle de tout sauf de Prison Architect. Enfin, je veux dire, techniquement de la prison, quoi. Alors, on avait construit le bloc C. Bloc C, oui, parce que le A, il est au milieu. Bon, bref, c'est pas dans l'ordre, on s'en fout. A, C, A, B. Ben, je me gourre en plus. A, B, C. Et eux, ils sont coincés comme des idiots. On va laisser ouvrir ces portes. C'est vrai que... Ça, je vais les laisser ouvertes. Voilà, pour qu'ils puissent nettoyer convenablement. Il est quelle heure? 6h du mat? Et il fait si beau que ça? Ok. Et encore ce problème de cadavre. Bon, ça doit être un bug. Hein. C'est pas très grave. Ah, je remarque qu'il y a... Des fois, c'est rare, mais il y a des toutes petites chutes de framerate. De 3-4 FPS, mais c'est pas grave. Ici, donc le bloc C. Alors, comment j'avais fait? Je m'y étais pris comment la dernière fois? Alors si je dis pas de conneries, comme ça, voilà, et ici on va faire une maxi douche, parce que là on va en avoir vraiment besoin, je me mouche,
Enfin, je me gratouille le nez. Ok, bon, on a de nouveaux prisonniers. Si je dis pas de conneries. Ouh, ça va commencer. Oh merde! Merde, merde, merde! Voilà, là, il y a une chute de FPS pour le coup, là. De 8 FPS. Et des tout petits freeze. Bon, c'est pas très grave. 23 prisonniers, j'ai que 80. Enfin, 101 cellules de disponibles. Bah là, va falloir. Là. Va falloir. Ah oh, putain. Va falloir en rajouter, là. Ils peuvent pas bosser, là. Là, il faut que je rajoute des cellules, là. Ça va plus. On va cloner, là. Faut qu'ils se magnent. Bah d'ailleurs. Attendez. Ah ouais, mais j'ai pas mis. J'aurais pas dû les virer, les. Allez, voilà. On va faire. Hein. Ça me coûtait un peu d'argent. Ah oui, ça m'a coûté pas mal. 4000. Ah ok, d'accord. Bon, moi, ils vont pouvoir bosser. Parce que je vais mettre le temps en rapide, là. Parce que. Hein, c'est pas ça, mais moi, je me fais chier, là. Je vais juste cloner. Cloner. Alors, comment je fais pour cloner? Voilà. Ça. Ah! C'est pas ça que je voulais faire. Non, non, non. Non, non, non. Je viens de me chier lamentablement. Voilà, c'est ça. Il fallait que je me chie, hein. Putain. Oh là là! Putain, bon, attendez. Ça va plus, là. Faut que... Là, faut que je me repose, là. Parce que, hein. Putain, je fais que des conneries. Et j'ai ma souris qui... Putain, mais c'est sensible, hein. Alors, ici aussi, on va prendre. Putain, ça va me coûter bonbon, cette histoire. Ok, j'ai plus que 8000. Donc les... Ah, mais non, c'est bon, il y en a qui se barrent. Ça tombe bien, ça laisse plus de place. Voici les nouveaux prisonniers qui se ramènent. Ah, vous voyez, par contre, là, en temps rapide, je suis pas à 60 FPS, je suis à 50. Alors qu'en temps normal, enfin, temps 1, quoi. Oh, regardez-moi ça, ce camion, ce convoi. Date convoi. Ouais, je suis pas à 60 FPS complètement, là. Là, je suis à 50, ouais, 55. Quand les prisonniers bougent, ça bouffe plus de FPS. Bon, là, je suis à 60 FPS non-stop. Ouais, c'est vraiment quand je recule un peu, quoi. Et là, voilà. Temps 1, c'est moins. Ça, vous le voyez pas, c'est déjà plus que. Ok, bon, alors là, ils vont tous s'entasser dans le yard parce qu'ils ont que ça à foutre! Non, je déconne. Je vais quand même mettre un autre yard là. Il est prêt là? Voyons voir. Il y a encore des cuillères, décidément. Cette histoire ne se finira jamais. Et yard. Et voilà, un petit yard bien douillé. Petit yard bien douillé. Avec des fences. Putain, mais les cuillères là, les mecs. Faut qu'ils arrêtent, hein. Ils sont fétichistes des cuillères ou bien. Object. Alors, on va mettre des arbres déjà. Oula, il y a eu un espèce de truc. Des arbres. C'est où les arbres? Trees. Et un petit arbre par là, voilà. Histoire d'avoir un petit peu de verdure. J'aime bien faire des trucs complètement asymétriques. On va mettre des billards. Juste deux billards, ça suffit. Et vraiment de la muscu, hein, parce que, hein, il se plaignait, je me souviens. On est là. Attends, je crois que ça avait. Non, c'est bon. Là, ils veulent de quoi faire l'exercice. Bah, ils sont servis. Là, il y a les arbres qui gênent. Voilà, c'est bon. Par contre, je crois qu'il fallait que je mette des lumières, s'il me semble. Il me semble, ouais. Bon, on s'en fout, on en met n'importe où. Ici, il n'y avait pas de lumière. C'est vrai que ça manquait pas de lumière. Et on m'a gentiment dit dans les commentaires de mettre des fenêtres. Effectivement. Mais là, en fait, je viens de perdre pas mal de fric. Oh, mais je gagne 2000. C'est bon. En plus, quand j'aurai licencié des workers. Oh, putain. Fermez les yeux. Barker est à poil. Ah, ici, j'ai pas mis de caméra de sécurité. Ça va pas, ça. C'est pas possible. Ouais, bon, on est en excédent de 4 prisonniers, là. Mais ça va, on peut gérer. On peut gérer tranquillou. Alors ici, matériel. Comment j'ai fait ça, moi? Alors.
Ah, je fais un peu 5 mètres. Ok, c'est parfait. Et là, comment je fais ça? Comme ça, ok. Les 3 là. Ok, c'est parfait. Room, room, room. Shower. De toute façon, on peut tout là, voilà, comme ça. Ce sera viré. Ici, je vais mettre des douches. Je vais faire le raccordement. Ok, c'est parfait. Bon, ils ont du taf. Hein. Là, ils ont pas mal de taf. Y a pas l'électricité ici? Ah ouais! Inégalité sociale, hein! Faut se rebeller, les mecs, hein! Là, vos droits sont pas garantis, là, hein! Aussi, il faudrait que je me serve des power switch. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Je me suis même pas demandé vraiment à quoi ça servait, mais c'est sympa. En fait, c'est un interrupteur en gros. C'est-à-dire qu'on peut accepter de couper ou d'allumer le courant, quoi. C'est tout con. C'est vrai que ça peut être utile pour couper certains courants. Je vois pas trop l'utilité. Faudrait qu'on me dise. Ouais, faudrait qu'on me montre. Bref, alors free time, il est quelle heure? Il est midi, c'est l'heure d'aller bouffer là bientôt. La cuisine, elle est. J'ai même foutu des cookers là entre les trucs. Hein, pour augmenter la capacité de production, hein. On va faire passer le temps un petit peu vite là. Free time, il bouffe à une heure, il me semble. Je crois que c'est ça, hein, il bouffe à une heure. Je vais bientôt refaire un check down. Parce que là, voilà, c'est l'heure de bouffer, ils se ramènent tous. Et qu'est-ce qu'ils foutent eux? Ils ont pas nettoyé! Ah, la bouffe est pas prête! La cuisine est vraiment trop petite! Et j'ai nourri que 10% de la prison. Là, ça va pas. Attendez, je vais voir dans les besoins parce que j'ai peur que ce soit. C'est au foot. Oh non, foot, c'est nickel. Par contre, ouais. Là, ça va pas. Il faut que j'agrandisse. Faut que j'agrandisse. Je vais faire une deuxième cuisine. Ouais, écoutez, on. Mais alors, où? That is the questions. Le problème, c'est que j'ai peur. J'étais en train de me dire ça, en fait. J'ai peur qu'en fait, ils aillent quand même que dans celle-là. Parce que là, faut. Ça, je vais les virer là. Je vais les foutre dans l'autre cuisine. Pareil, je mettrai. Un autre lavabo, ouais, j'en profiterai pour mettre d'autres lavabos parce que là ça va plus là. Ils ont du mal à nettoyer, regardez, il y a trop de. Alors la cuisine, ça commence à faire un peu beaucoup là. On va stopper l'arrivée des prisonniers. Je pense que c'est pour l'instant ça va. Alors, on a 93 prisonniers là, je pense que c'est bon. Hein. On va attendre un peu. Donc là il bosse. Bon ouais, c'est bon, tout le monde a des cellules, c'est nickel. J'ai plus que 4000. Par contre je crois que j'avais plus de grande. Non, j'ai plus de grande. On peut se fier qu'à notre salaire et à celui des plaques quoi. Enfin des plaques d'immatriculation. Enfin je sais pas si... Ouais bref, des plaques de métal. Vous avez compris bordel. Ici il se repose tranquillou. Ouais, il va falloir que je songe à agrandir la prison hein. Il nous faut une autre cantine là, c'est trop petit. C'est trop petit. Ou alors ici, je m'improvise une cuisine. Et je coupe le passage de ce fait. Ouais. Je pense que je vais faire ça, ouais. On va se tenter ça, les mecs. Ouais. On va se tenter ça. Allez, c'est parti. Résultat, je vais couper le passage. On va se faire un truc comme ça. Et là. Là avec la petite porte. Deux petites portes. Voilà, parce qu'il faut quand même que la caméra de sécurité puisse voir quelque chose. Je vais voir ça. Je vais faire une. Ouais. Je vais faire une double cuisine. Ici, je vais dismantle les cookers. Je vais rajouter plein de fridges, comme ça ils pourront entreposer des cookers et surtout des robinets là, parce que ouais, deux robinets en plus au moins. Ah, parce que c'est la merde là. Les pauvres cuisiniers là, ils en chient.
Et là, il n'y a pas d'autre mot. Bon, par contre, là, je suis un petit peu limité niveau fric. Ça va être un peu chaud, là, de... Ouais, c'est vrai, parce que je vais peut-être pas faire le fifou niveau... Impérial. Ouais, faut que je me calme, hein. Ça coûte la peau du fion. Ah, là, faut que je fasse gaffe à mon budget, là. Ah, bah tiens, c'est le temps d'aller bosser. Wow, ce bruit. Bon, là, il lave, voilà, on peut voir les... Machine à laver en train de tourner. Petite baisse de framerate. Allez, pour la peine, je vous fais une baisse de framerate. Oh, j'adore. Bon, bah ça bosse bien. Il y a deux gardes ici qui sont là pour surveiller. S'il y en a un qui essaierait pas de... De scier les murs, hein, on sait jamais. Ou de se barrer par là, tu vois. Hein. Ou de laisser échapper un mec dans les solitaires. Là, y a personne pour le dire, ça. Hein. Par contre, les métal... Bref, vous m'avez compris, les plaques de métal, ça. Bon, là, je pense que là... Voilà, des stacks de... Ben, il y en a à l'appel, voilà. Regardez, rien que ça, quoi. Des stacks de 30 à la à foison, là. Plus tous ceux qui sont posés là. C'est pas beau, ça. Et le linge propre. Alors, linge propre, on va voir dans les régimes. Régime, food, de... je sais pas ce que c'est. Clothing, ouais, ça reste limité. Elle vit bien notre petite prison. Bon, là par contre, pour la bouffe, c'est la merde. Ah, 50%, si j'arrive quand même à. C'est bon, ils ont construit ici. Parfait. Bon, ça fait un truc un peu chelou, mais. Ok, on va pouvoir commencer à travailler. Si vous voyez ce que je veux dire. Kitchen. Wow, qu'est-ce que tu fais, Brinley? Brinley, recule tout de suite. Bah, en fait, ils ont tous besoin de linge, hein. C'est vraiment ça. Je pense que je vais faire une deuxième laverie. Aussi, bah, décidément, j'ai besoin de double salle. Parce que niveau linge, là, ça va pas, hein. Là, ça va plus, hein. Il me faudrait peut-être un deuxième garde ici. Porte. Staff door. Je vais foutre un mur ici, en fait. Voilà, et on va investir parce qu'il me reste plus que 1200. Je vais attendre minuit. J'attends minuit et je fous le... Alors, résultat, j'ai dû couper leur patrouille. Ici, ils ont fait le boulot au moins. Ah, mais c'est vrai que j'aurais pas mis l'eau dans leur chiotte à eux. Oh putain! Ça va déborder! J'espère que ça coûte pas trop cher. Non, ça va. Ça a le mérite de pas coûter bonbon. Bon, ils ont un yard de près, la salle de bain ici. Je l'améliorerai un peu. Il y a du linge qui traîne dans la salle commune, même dans les couloirs, tu sais. Oh là là, ils ont pas honte. Bon, allez, c'est quand minuit? Allez, on fait passer le temps. Histoire d'avoir du pognon comme un aime. Alors, combien? 3400! C'est pas mal. Ça pourrait être mieux. Mais bon, c'est déjà ça, on va pas se plaindre. Kitchen. Alors, kitchen. Déjà, on met la masse de fridge. Alors, je suis en train de... Fridge. Et là, deux sinks. Il faut là. Là, on peut plus se permettre là. Et là, je vais dismantle. Voilà. Là, je vais mettre 3 cookers plus un autre fridge. Ouais, parce que pour entreposer la bouffe, là, je vais foutre 1, 2 et 3. Parfait. 3 cookers, ça devrait suffire. Même plus là. Voilà, ça devrait largement suffire. Largement. 100 prisonniers, 111. Ouais, si je peux me permettre d'accueillir d'autres prisonniers finalement. On va ouvrir. 8 prisonniers high risk. Allez, on fait un petit peu les fifous. Pourquoi ils sont tous dans la cuisine ici là? Oh! Non mais barrez-vous là! Oh, c'est la teuf dans la cuisine ou quoi? Allez là! Sortez, bordel de merde! Pardon, je m'excuse. La petite chute de framerate. Bon, après, c'est pas complètement optimisé, mais là, je tourne avec action. C'est pour vous garantir la qualité, hein. Ok? Bah! Ici, ça veut dire que je vais pouvoir quand même me faire plaisir niveau sol.
Mais c'est pas ça que je voulais mettre. C'est du carrelage. Et on est tellement des pimps qu'on va se mettre du marbre. Bah oui. Ou de la céramique qui est encore plus chère que le marbre. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi. Enfin bref, on va pas se poser la question plus longtemps. Hein. Ah ouais, c'est, il faut déjà l'électricité, ça c'est chiant. On va relier tout ça au secteur. C'est bon, vous les avez dump ici? Ah, il en reste encore une. Ah non, vous en avez dump que qu'une. Vous en avez dump qu'une. Un cooker. Un cooker. C'est bien, ils se répartissent déjà les... Voilà, ils vont entreposer la bouffe. C'est ça qu'il faut. Faudrait que je fasse une salle que avec des frigos. Non, parce que regardez, là c'est pas possible. Les frigos sont bourrés, il y en a pas assez. Il y a la moitié de la bouffe qui traîne par terre. C'est pas possible. On a combien de cuisiniers d'ailleurs? 7, il en faut plus. 100 prisonniers, il me faut plus de cuisiniers. On va rajouter 2. On va rajouter 2 cuisiniers. Pour aller dans les 2 cuisines. Ok, là ils construisent, c'est parfait. Est-ce qu'ils ont dump là? Ouais, c'est parfait, ils ont dump. Bon, les 3 ça devrait suffire. Hein. 6. On va faire ça. Voilà. Nickel. Et un fridge. Ah, j'ai pas assez pour. Enfin, les fridges, on a déjà. Qu'ils fassent le raccordement. Bon, 3 frigos ça devrait suffire. Hein. C'est pas encore assez, mais bon. C'est histoire d'optimiser un peu le truc. Voilà. Bon, ça devrait déjà servir pas mal. Ah, je suis content comment ça se passe. Par contre, ça m'énerve ce problème de mort là, ce mort vivant qui se déplace, qui glisse tout seul sur la route comme une merde là. Et puis ces murs qui veulent pas se détruire là, ça fait moche là. Et puis on m'a dit aussi de mettre un yard ici. Des yards, je sais pas, je vais peut-être le faire, on va voir. Par contre, attendez, c'est ouais, ces murs là, ouais, les petits murs de merde là, ça m'énerve. C'est dommage quoi. Et voyez quand ils dorment là, c'est 60 FPS. C'est marrant. Enfin non, c'est pas marrant, mais voilà quoi. Ah merde! J'ai fait le con. Demolish wall. Demolish wall. Voilà, ils viendront péter ça demain. Et ils préparent là. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus clair. Là, on voit quelque chose dans la cuisine. Parce que juste avant, on n'y voyait que dalle. Et là, ils bossent. Auto-saving, j'ai eu peur. Il bosse tranquillou. Alors par contre ici c'est un peu le caca. Pour avoir l'eau. Heureusement que ça coûte rien. Hein. Oh merde. Voilà. Oula, le danger il monte. C'est quoi ce bordel? Bon, je vais peut-être... 14. Ok, les prisonniers sont arrivés, c'est l'heure de la bouffe. Ah, ils sont pas prêts les cuisiniers là. Il y a de la bouffe par terre en plus. Ah putain. Pourquoi il y a de la bouffe là? Pourquoi il y a du bacon par terre? Food. Merde, 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 merde. Là aussi. Non, ça va. Si, y en a pas mal qui sont food. Hein. Bon, ils boufferont bien à midi et puis voilà. Hein. Non, il nous faut plus de cuisiniers là. C'est vraiment les cuisiniers qu'il nous faut. Hein. Putain, mais les mecs, stop. Et cherchez des couverts, merde. Vous avez autre chose. Et arrêtez d'aller dans ce putain de yard. Non, mais j'ai l'impression que ça va être ça, quoi. Les mecs, ils vont... Pff. C'est parce que la cuisine, elle est vers ici. Il faudrait que j'en fasse une autre ici plus tard. Non, parce que là, regardez, j'ai fait un yard, il sert pas, quoi. Est-ce qu'ils utilisent ma common room? J'ai pas l'impression, en fait. Free time. Les mecs, ils se font un petit détour par la douche, parce que là, c'est ferme. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con. Non, mais les mecs, je viens de vous ouvrir la porte. Vous êtes sérieux, là, ou quoi? Voilà, ça fait quelque chose. Bladder. Ah, bladder, c'est les... Ah, c'est les chiottes, Bladder. Mais va aux chiottes. Pourquoi il va pas aux chiottes, lui?
Je devrais faire des toilettes comme ça en fait. On va voir bladder, c'est quoi bladder. Oula, j'ai eu peur. Lourd bug. Ou à moins que c'était une auto-saving, j'ai pas fait gaffe. Cigarette, putain, mais de mieux en mieux, hein. Non, bladder, c'est bon, ça va, c'est rien. Je stresse à chaque fois. Déjà, le dernier épisode, j'ai fini sur un bug. Alors là, je vous raconte pas, quoi. Quand j'aurai du pognon ici, je mettrai des... Ouais, parce que là, je suis vide, hein. Enfin, je suis vide. Façon de parler, bien sûr. J'ai plus une thune, hein. Pourquoi vous laissez la bouffe là? Pourquoi il y a de la bouffe par terre? Merde. Waouh, c'est un peu... Si le service de l'hygiène y passe, je suis dans la merde, hein. Regardez-moi ça, il y a des sacs de choux qui bouchent la porte. Et les pommes de terre par terre. Ça a plu. En tout cas, ça a le mérite de... Enfin de... Voilà, c'est en avance. Et les marmites sont en place. On va rajouter des serving tables. On sait jamais au cas où. Au cas où ils n'aient pas la place. Ah, parce que là, il y a plein de marmites. Je vais peut-être rajouter d'autres cuisiniers. Mais on va voir. Putain, mais lui il est tout le temps à poil, Barker là. T'as pas honte ou quoi là? Bon, moi tu te douches, c'est bien. Il y a encore des mecs qui se font choper avec des couverts sur eux. Bon, les solitaires servent à quelque chose. Toi t'as une tête chelou, t'as les cheveux bleus. Oh, bah tu te casses bientôt. T'as plus que 8 mois à tirer, c'est bon. Tu peux te barrer. S'il y a toujours des traces de sang. Ma holding cell là, pour le coup, par rapport à l'autre prison, elle est pas très utile. Mais là, ouais, bah, je vais licencier là. Staff. Ouais, j'ai trop de monde. Comment on fait déjà? Virer. Je vais en laisser 7. Voilà, je gagne 3000. Je gagne 3000, ce qui est une bonne moyenne. Bon, on va accélérer le temps. Je veux voir à midi là. Là, c'est bon, à 1h. Ok, c'est l'heure de la bouffe, les mecs. Regardez-moi les casseroles qu'il y a. Non, mais c'est déjà dévalisé. Toi, tiens trop. Non, là, la foot, ça va plus, là. La foot, ça va plus. Ils ont pas assez le temps. Ils ont pas assez de temps pour préparer. Ouais, ça devient problématique. Attendez. Merde, c'est où? Régime. Je vais mettre... l'eau, la variété, quoi. Voilà, comme ça, je gagne plus. C'est peut-être parce que la quantité, 1000 quantity. On va essayer médium et low. On va voir ce que ça donne. Ah, mais il est déjà 28 minutes. Putain, que le temps passe vite quand on s'amuse. Ok, attends, comment il s'appelle lui? Merde, il est où? Ok, Lovegrove, t'es parti pour 5 heures dans ta cellule. Ah non, solitary, pardon. Et c'est vrai que j'avais durci les... Les lois. Et ici, ils ont toujours pas construit, t'es sérieux là? Ah, bah si, en fait, c'est que j'ai pas relié comme un con. Et résultat, ils ont toujours pas l'eau dans leur chiotte. Family, mais va voir ta famille, putain, regarde celle-là. Eux, c'est les mamans de qui? De Shelley! Ou de Pidoc? Ah non, lui il va téléphoner lui aussi. Ils vont tous téléphoner. Lui aussi. Non mais putain, c'est qui eux là? Ça se trouve ils sont en solitaire en fait, c'est pour ça. Best of frame right. Double frame. Best of frame right. Ah voilà. Ça c'est l'optimisation, la division du travail les mecs. Productivité marginale, hein, facteur de prod, voilà. Hein. Non, c'est bon, là franchement, c'est devenu optimal le nettoyage de plateau. Ouais, voilà, là c'est propre. Là c'est propre, le service de l'hygiène il peut se ramener. Je l'attends, moi. Regardez, là c'est bien rangé. J'ai baissé un peu la quantité de bouffe. On devrait réussir. Et eux, ils adorent la. Ah, mais en fait, ils crèvent la dalle. Enfin, il y en a un qui crève la dalle. Oui, t'as Jean-Pierre le chef là, c'est pas ce qu'il fait. Hein. Bon. Il est déjà 30. Oh, c'est trop vite. On va voir le travail. On va juste la regarder travailler.
J'aime les voir travailler. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore l'heure de la bouffe? Pourquoi ils me laissent ça là? Bizarre. Ils sont encore dans ce putain de yard. À moins que... Ah non, vous voyez, ils sont... Ça c'est bien, ça c'est bien. C'est très bien même. C'est très très bien. Parfait. Allez, c'est parti pour bosser les mecs. Faites-moi des plaques là, je veux de la plaque. Beaucoup de plaques. Ah, qu'est-ce que c'est beau de les voir bosser, on se sent puissant. Ah, ça travaille dur hein. On a cheminé les plaques de métal, voilà, c'est la division division horizontale du travail hein. Chaque prisonnier a une tâche précise à accomplir, toujours répétitive hein. Mais, grâce à ça, on accroît la production au final hein. Et nous, c'est ce qu'on veut hein. Gagner toujours plus de thunes. Ah, c'est déjà fini. Ah putain, ça passe vite, dis donc 4 heures là. Oh, le mec il se fait choper avec un tournevis. Là mon petit. Oh, et l'autre avec un drill. Ah mon petit Simpson, là ça passe pas hein. Et en plus tu te barres dans 4 mois hein. Si tu continues comme ça, tu te prends 20 ans en plus hein, fais gaffe. Attention hein. Bon, on va attendre minuit, puis on va se quitter là-dessus. Et puis le cadavre qui sera continuellement ramené. Alors, est-ce que pour la bouffe c'est mieux? Putain, mais ils ont vraiment pas le temps de préparer la bouffe hein. Ah, c'est chaud quand même. Wow, 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 les mecs, qu'est-ce que vous dites là? 24, 26. Ouais. Ah, j'ai peut-être pas du tout assez de cuisiniers. Attendez, on va voir. 1, 2, 3. Allez, on va mettre. Insuffisant de found? What? Comment ça? Ah! Ah, merde! Oui, effectivement, j'ai plus de fric. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a mon fric là? Je suis en bénéfice. Tu... Wow, 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 wow. Mais en fait, non. Oh, les cuillères là, putain, c'est un massacre. Bon. Là, il y a beaucoup de cuisiniers. Hein. On est à 13 cuisiniers, s'il vous plaît. J'avais jamais fait autant de. Mais c'est abusé, ils arrivent pas à. J'ai baissé la quantité de bouffe. Je devrais peut-être la réaugmenter en fait. Je vais me laisser à high. Ah, faut qu'ils arrivent à préparer là, c'est pas possible. J'arrive pas à nourrir toute ma prison. Wow, 3820. Bon, on fait toujours à peu près la même moyenne. 8000, ouais, c'est pas mal. Ok, bah les amis, on va cesser là. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi perso, là j'ai bien kiffé. Je sais pas pourquoi spécialement lui, mais bon, je sais pas. Il me met de bonne humeur. Voilà, donc aussi petite précision que j'avais oublié de vous dire juste avant. Concernant, oui, parce que vous avez vu dans ma nouvelle outro, pour ceux qui ont vu l'épisode de Seigneur des Anneaux, j'ai mis les informations concernant, alors, le Twitch, le Facebook. Oui, alors je vais faire un Facebook, il est pas encore actif, je pense que je vais faire ça demain, c'est-à-dire vendredi, ou, enfin, bref, je vais le faire bientôt. Je vais plutôt vous dire ça parce que on peut pas vraiment se baser sur... Sur le moment où vous regardez la vidéo. Bon, ils vont être actifs d'ici la fin de la semaine. Pareil pour Twitter, j'en avais déjà un. Mais bon, je m'en servais pas. Je vais pouvoir m'en servir. Google Plus, mais ça, voilà. Mais surtout Facebook et Twitter. Comme ça, je pourrais là, vous pourrez me poser plein de questions. Je pourrais vous parler plus directement que par mail ou comment. Enfin, je sais pas, c'est mieux. Je pourrais vous prévenir de plus, beaucoup plus simplement que par YouTube. Voilà. J'étais bien obligé de le faire, hein. De toute façon je suis pas fan des réseaux sociaux, hein, je vous le dis direct, mais bon, c'est vrai que là pour le coup, c'est vrai que pour YouTube c'est assez utile. Voilà, bon allez, à la prochaine et portez-vous bien, salut à tous!